recevons aujourd'hui Mourad Laouez, tête de liste Bien Vivre à Châlons 2020. Mourad Laouez, conseiller municipal sortant, a été l'un de ceux qui s'est particulièrement investi contre le projet de construction d'une halle place Général de Gaulle. Avec lui, nous évoquerons aussi les problèmes d'urbanisme dans la ville, car l'urbanisme concerne non seulement la place Général de Gaulle, mais l'ensemble des quartiers de Châlons, ainsi que les problèmes de mobilité. Par rapport au premier sujet lié à la place Général de Gaulle, où vous étiez un opposant actif avec le collectif et avec votre collègue Nathalie Leblond, quelle est votre position aujourd'hui et qu'est-ce que vous comptez faire sur cette place si vous arrivez en tête? Alors, petite rectification, vous avez parlé d'opposition contre la halle sur la place Charles de Gaulle, donc c'était un petit lapsus. Donc c'est évidemment une opposition contre le projet du centre commercial Charles de Gaulle. Nous sommes bien d'accord sur ce point. D'accord. Voilà, voilà. Non, il n'y a pas de mal. Mais c'est juste pour que les gens sachent de quoi nous parlons. Ensuite, vous parlez aussi de halle parce que, oui, nous souhaitons une halle de producteurs locaux. Hein. Nous aurions préféré qu'elle soit à cet endroit, une structure légère, qui ne soit pas un îlot de chaleur. Pour ce qui me concerne, j'étais un des opposants de la première heure, mais ce n'est pas une opposition parce qu'il fallait s'opposer à Plâtré. J'ai Plâtré, pas du tout. D'ailleurs, j'ai contribué à l'enquête publique lorsqu'il y avait le plan de sauvegarde, le PSMV, qui a été mis en enquête publique pour les Châlonnais. Insoumis aux Châlonnais. Voilà, et donc cette enquête, d'ailleurs, par la suite, a reçu un avis défavorable pour la place Charles de Gaulle de la part de la commissaire enquêtrice. Et donc, dans l'enquête publique que j'avais soumis, dans la contribution que j'avais soumise lors de l'enquête publique, j'avais bien expliqué pour quelles raisons je m'opposais. Alors, pour quelles raisons? D'abord, moi je suis écologiste, je connais les effets du changement climatique, je sais qu'il va y avoir de plus en plus de canicules, de plus en plus de pluie, donc on ne va pas imperméabiliser une place de plus, on ne va pas créer un îlot de chaleur de plus, on ne va pas détruire les arbres qui sont là, même si certains, le maire actuel dit qu'ils sont sous-frotteux, ce qui n'est pas vrai, il faut les entretenir. Voilà, donc il y avait un certain nombre d'arguments écologiques que j'ai mis en avant, mais pas que, il y a aussi des arguments qui concerne le commerce de centre-ville, parce que s'il n'est pas vrai, on le saurait, c'est vraiment un centre commercial comme ça, surtout si on met H&M, qui bat de l'aile, qui a des problèmes d'éthique au niveau international, avec, et même au niveau, national, elle a des gros soucis. Donc pour toutes ces questions, pour tous ces problèmes, nous ne pouvons pas avoir un centre commercial, surtout si c'est H&M qui s'y installe. Mais également, il y a aussi un aspect qui est tout simplement le bien-vivre à Châlons. Cette place, c'est une place qui est aimée des Châlonnais. Les Châlonnais, dans leur majorité, d'ailleurs, il y a une grosse pétition qui a circulé à l'initiative du collectif Châlonnais pour un urbanisme responsable, ainsi que des architectes qui ont proposé des solutions alternatives à cet endroit-là. Dans ces conditions, ce centre commercial ne peut pas se construire. Et donc, bien entendu, j'ai pris mes responsabilités aussi en tant qu'élu. Je me suis opposé à cet édifice, à ce projet, en donnant toujours les mêmes arguments. Sur le plan démocratique, le maire actuel n'a pas particulièrement bien agi, au sens où la commissaire enquêtrice avait donné un avis défavorable. Et donc, la commune et le Grand Châlons ont créé une commission ad hoc pour, malgré tout, passer outre cette recommandation, parce que nous savons que les élus ne sont pas obligés de suivre cet avis, mais du point de vue démocratique, il aurait quand même fallu le suivre. Et il y avait donc des recours des riverains, des recours d'élus. Actuellement, d'ailleurs, il y a encore un recours. Nous ne souhaitons pas l'installation d'un centre commercial à cet endroit. Nous souhaitons plutôt autre chose. Nous verrons avec les habitants ce qu'ils souhaitent faire de cette place.
Mais nous avons déjà le projet de faire une halle de producteurs locaux, si les habitants le souhaitent, à cet endroit. Une structure légère. Mais nous verrons cela avec les habitants. Alors, vous parlez de concerter les habitants. Est-ce que c'est aussi vrai? Et quels sont vos projets en ce qui concerne notamment trois autres quartiers qui sont grosso modo les Prés-Saint-Jean, qui sont un peu à l'abandon, le stade Fontaine-aux-Loups, où là c'est encore plus criant, puisqu'il n'y a plus que le quartier du stade qui vit réellement. Alors ce sont des quartiers sur lesquels le PAC intervient beaucoup, ainsi que les Aubépins. Quelles sont vos orientations concernant ces trois quartiers qui sont classés en zone prioritaire? Alors, déjà, c'était, je crois, en septembre 2018 ou en octobre, je ne sais plus. Il y avait un compte-rendu sur la, très officiel sur la politique de la ville. Et il se trouve que ces quartiers que vous citez sont des quartiers qui se sont délaissés. La politique de la ville qui était censée, avec le concours de la ville et du Grand Chalon, s'occuper de ces quartiers, malheureusement a échoué. Et les habitants de ces quartiers se sont délaissés, se sont déconsidérés. La première chose qu'attend, je dirais, l'être humain lambda, c'est d'être reconnu, c'est d'être considéré. Parce que la dignité des individus, la dignité des personnes est très importante. Donc, à partir du moment où on fait une politique qui est ressentie comme une politique à deux vitesses, on fait plus pour les uns que pour les autres, je parle vraiment de ressenti, mais également, on voit aussi, au-delà du ressenti, qu'il y a effectivement des actions qui ne sont malheureusement pas équilibrées. À partir de là, les habitants de ces quartiers se sont effectivement déconsidérés et oubliés. Alors nous, ce que nous voulons faire, nous voulons déjà remettre de la dignité, remettre de la considération. Considérer les habitants, c'est leur permettre de vivre tranquillement, donc sur le plan de la tranquillité publique. C'est leur permettre aussi de s'impliquer dans leur vie quotidienne par déjà une association, les associer, je voulais dire par là, les impliquer dans la vie politique. Autrement dit, nous voulons mettre en place des commissions, faire vivre les maisons de quartier, faire vivre les associations et les conseils de quartier et les autres conseils existants. Ce que nous souhaitons, c'est vraiment que dans ces conseils-là, il y ait des propositions et que les élus suivent ces propositions. Nous voulons juste une chose qui est très importante, c'est que nous travaillerons dans un cadre qui est celui de la transition écologique citoyenne et solidaire. Ce qui veut dire qu'on on restera dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, par exemple. D'accord ? Mais à partir de là, les citoyens pourront choisir les projets qu'ils souhaitent, notamment avec la mise à disposition d'un budget participatif à hauteur de 5%. Pourquoi nous choisissons plutôt un pourcentage qu'un montant chiffré ? Parce que nous savons aujourd'hui que la ville est endettée, et donc pour les investissements, ça va être compliqué. On est au même niveau d'endettement qu'au début du mandat. Et ce pourcentage-là, il sera amené évidemment à augmenter en fonction des années, parce que nous voulons investir. L'investissement, c'est aussi l'investissement des citoyens dans les quartiers. Ça, c'est la partie budget participatif. Ensuite, pour le projet ville lui-même, parce qu'évidemment, il y a des projets de quartier, il y a des projets ville, il y a des projets Grand Chalon. Pour ce qui concerne les affaires courantes, bon, ben, c'est des affaires courantes. Elles suivent leur cours. Mais pour ce qui concerne les projets, nous associerons les citoyens. Ça veut dire que, par exemple, au Prés-Saint-Jean, des gens, éventuellement, s'ils viennent vous voir, pour faire un jardin partagé devant, au pied de leur immeuble, oui. Ils pourront aller vous voir et vous allez discuter, puisque vous êtes la puissance publique, la collectivité locale, avec le PAC qui est propriétaire des bâtiments. Absolument. Il faut, nous, a priori, quand vous posez la question, a priori, nous sommes d'accord. Ce qui veut dire, après, il faut voir juste les limites techniques ou juridiques. C'est tout. À partir de là, ce sont des projets que nous soutenons, que nous accompagnons. Parce que nous souhaitons, évidemment, verdir la ville, mais en sens, c'est vraiment la végétaliser, planter des arbres, des jardins partagés, etc. Donc là-dessus, tous ces projets-là seront portés, encouragés, proposés par les citoyens, et ils auront un pouvoir de décision.
Pour ce qui concerne les maisons de quartier, par exemple, nous souhaitons aussi qu'elles aient un peu plus d'autonomie, quand même qu'elles soient autonomes. Nous ne souhaitons pas qu'elles soient des annexes de la mairie. Donc pour ça, parce que nous considérons que les maisons de quartier, c'est vraiment l'outil indispensable pour l'éducation populaire, pour la culture, pour le lien social. Donc elles ont un rôle très important à jouer et nous souhaitons les soutenir et leur donner l'autonomie nécessaire pour agir avec les habitants. C'est irré éventuellement jusqu'à l'ouverture en soirée, par exemple ? Bien entendu, si les habitants le souhaitent, oui, absolument. Ce qui veut dire une réorganisation au niveau des personnels aussi Oui. Oui, parce que nous souhaitons, nous, justement, avoir plus de présence humaine dans la ville. Ça touche aussi à la tranquillité publique. Vous m'avez posé la question là-dessus. La tranquillité publique aujourd'hui, c'est plus un ressenti sur la sécurité qu'un problème de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une France, dans des villes qui sont sûres. Il n'y a pas, quand on regarde les statistiques de véritables violences, de véritables délinquances, par rapport aux statistiques d'incivilité, c'est très peu. Le problème est effectivement au niveau des incivilités et de la petite délinquance, mais ça engendre néanmoins un ressenti d'insécurité. Ce sentiment d'insécurité, c'est celui-là qu'il faut battre. Et pour le battre, on va dire, ce sentiment d'insécurité, il faudrait mettre de la présence humaine, du lien social. La présence humaine, nous souhaitons avoir plus d'îlotiers. Nous préférons ce mot d'îlotier. Il a déjà existé, d'ailleurs, sur le Chalonnais. Avoir des policiers municipaux en contact avec la population, avoir des médiateurs en contact avec la population, et ça, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Et en même temps, avoir également un numéro de téléphone et un site internet pour que les habitants puissent contacter directement les personnes concernées en cas de petits soucis quotidiens. Par exemple, relatif à des incivilités ou à des détritus ici ou là. Voilà, nous voulons remettre vraiment l'humain au centre de la tranquillité publique. C'est pour ça que nous souhaitons créer une maison de la tranquillité publique. Qui serait située où ? Qui serait, cette maison de la tranquillité publique a la vocation à être située dans chaque quartier. Ça va pas être un centre de plus, un centre-ville. Vous voyez, il faut que ça soit à proximité des habitants, notamment dans les quartiers comme ceux que vous avez cités, le Stade, les Prés-Saint-Jean. Donc nous souhaitons avoir cette maison de la tranquillité proche des citoyens, vers laquelle ils pourront aller pour des petits soucis quotidiens, mais également pour aider à porter plainte s'il y a lieu, mais également pour voir des gens, pour régler des petits soucis de voisinage, etc. Vous développeriez ce qu'on appelle un peu un aspect prévention, tout avec soit des vous l'avez dit vous-même, des médiateurs sociaux. Dans certaines villes, il existe des expériences avec des médiateurs le soir aussi, en partenariat avec les bailleurs sociaux. Absolument. Que sont notamment l'OPAC. Absolument, parce que la tranquillité publique, c'est avant tout de la prévention. C'est comme la santé. La santé, c'est aussi de la prévention. Parce qu'une fois, une fois que vous êtes malade, pour guérir, c'est beaucoup plus compliqué que si vous évitez cette maladie. C'est la même chose avec la tranquillité, c'est la même chose d'ailleurs dans plein de domaines. Il s'agit de prévoir. C'est d'ailleurs pour ça que nous portons aussi une idée et un projet écologiste, parce que nous ne sommes pas encore au 3 degrés C sur la planète. Mais nous n'attendrons pas d'avoir ces 3 degrés pour trouver des solutions. Nous mettons en avant aujourd'hui les bonnes solutions pour nous préparer au changement climatique, pour nous préparer aux enjeux d'aujourd'hui et de demain surtout. Donc là, le maître mot, effectivement, c'est la prévention dans tous les domaines pour nous. Après avoir évoqué les problèmes de tranquillité publique, d'urbanisme, nous évoquerons dans une troisième partie les problèmes liés au Grand Chalon, liés aussi aux mobilités, puisqu'elles sont intrinsèquement lié absolument à la ville et au Grand Chalon avec Mourad Laouest, tête de liste, Chalon, bien vivre à Chalon 2020.